Bonjour, bonjour les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un nouveau concours de 2 millions de karma à gagner sur le serveur Telesia à la place de 1 million. Donc forcément, ça sera 60 likes à la place de 30 likes. Franchement les gars, 60 likes c'est pas beaucoup. On peut le faire facilement et tu peux gagner 2 millions de karma. Franchement les gars, un abonnement d'une semaine, il te reste genre 1 million 3 1 million 2. Franchement très très bonne affaire. Donc pour participer c'est super simple, abonne toi sur la chaîne, likez la vidéo et mettez votre nom de votre personnage dans les commentaires les gars. Comme d'habitude on change rien, sauf tu peux gagner 2 millions de karma à la place de 1 million. Donc voilà. Allez, maintenant on passe au astuce karma. Ça dépend de peut-être de brisage, peut-être. Allez, on se retrouve. Bonsoir tout le monde, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Pour ma part, super bien. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce karma vraiment vraiment sympa, surtout pour les BL ou bien pour les gens qui reprennent le jeu, ou bien juste pour les nouveaux joueurs tout simplement. Bon les gars, on va capturer le boss de Bourg, enfin Bourquette, un truc comme ça. Pourquoi les gars? Pour les gens qui veulent faire le succès ocre, bon le mec il va pas casser la tête à capturer le boss, alors il coûte pas cher en HDV, donc le mec va acheter directement en HDV. Les gars, je parle par expérience, moi perso les gars, j'ai payé 34 millions pour avoir tous les archers, tous les boss et tout. Il y avait les gars, il y avait déjà des archers, pardon, super super chiant à trouver. Par exemple, le truc là, les gars, l'arachne des égaux, un truc comme ça, c'était horrible à trouver. Ça coûtait genre 3 millions, 2 millions 5 minimum en HDV. Donc, j'ai payé 34 millions. J'avais des trucs, les gars, sur moi. Donc, j'ai payé, je crois, la moitié des archers et des boss à 34 millions. Pour voir le succès, c'est très, très important. Donc, voilà, comme je disais, les gars, le mec, il va acheter directement en HDV. Il casse pas la tête à faire le donjon, blablabla. Donc, voilà, on va profiter, les gars, surtout pour les BL. Elle est une très grosse astuce karma les gars, ça part très bien à 100% sans aucun problème. Je vous conseille de faire cette astuce karma. Bon allez, je vous montre le donjon les gars, il est super facile. Déjà il est niveau 40, donc voilà, tout le monde peut le faire. Je vous montre tous les salles les gars, je vous montre tous les salles pour les gens qui connaissent pas le donjon au cas où, ou bien pour les gens qui reprennent le jeu, ils connaissent genre pas le donjon. Bon, on s'en fout les gars, c'est de niveau 40, donc pas besoin de changer quoi que ce soit. Ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort, voilà, c'est super facile. Bon, j'ai pas la portée, je crois, ça c'est mort. Allez, je vais aller, non c'est pas grave les gars, prochain tour et les dates. Donc je vais faire activer le mode créature les gars pour être un petit peu rapide. Je suis très lent les gars, donc ça c'est mort, voilà, ça c'est mort et ça c'est mort. Donc voilà, c'est super rapide niveau 40. Donc si tu es niveau 50, tu peux faire le donjon facilement. En plus de ça, tu peux gratter quelques ressources. Bon, ça coûte rien, mais quand même, bon voilà, ça c'est ça déjà les gars, 600 000 kama, enfin 600 000, t'as compris, 600 kama. Bon, on continue les gars. Normalement je peux kill les tous les gars. Attendez, ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort. Flamish ça kill? Non. Est-ce que le piège ça kill? Attendez, non ça kill pas. Bon, ça coûte 2 PA les gars, c'est normal, ça tape pas super fort, mais merde. Voilà, on a fait la deuxième salle les gars, la troisième salle,
Donc, comme je disais les gars, c'est super rapide, super simple à faire. Et vous allez voir, tu peux gagner le double de tes kamas. Genre, on va compter la pierre, les gars. La pierre coûte genre 25 000, 30 000 kamas. Gros, gros max. De toute façon, on va checker ça à la fin de la vidéo. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Parfait. Et ça, non. Je vais passer pour pas perdre le temps. Allez, tâte est mort. Voilà, on est à la quatrième salle. Je gratte quelques ressources. Allez, gars, attention, tu peux tomber. Et t'es mort. Il y a un mob, les gars, avec genre 100 000 PV. Donc, on est à la quatrième salle. Bon, on est déjà fini, les gars. On est déjà fini. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Donc voilà. Et ça c'est mort. Voilà, les gars. On est au boss. Donc, j'ai gratté quelques ressources. Bon, on s'en fout un petit peu. Voilà, les gars. On est au boss Bourquette. Attendez, on va checker juste ce truc. Il a 110 000 kamas, ok, pas mal. Donc, on va mettre la pierre, les gars. Le donjon est niveau 40 ou bien 50, je ne sais pas. Mais on doit mettre une pierre, les gars, de 100 niveau 100, puisqu'il y a un bois, les gars, niveau 56. Donc, on doit mettre une pierre de niveau 100. Niveau 100, voilà. Niveau 100, ça coûte presque 30 000 kamas. Bon, de toute façon, on va checker tout ça. Est-ce qu'il veut des succès, ce mec? Bon, je vais louer MP. Est-ce qu'il veut? Tu veux des succès? Voilà, bon, c'est gratuit, les gars. Je vais faire. De toute façon, je vais faire le donjon. Donc, pourquoi pas? S'il veut des succès, allez, vas-y. Vas-y. Enlève ton truc, s'il te plaît. Enlève ton truc. Je vais juste. Voilà. Je vais juste enlever ça. On a mis la pierre et tout. C'est quoi les succès? Les combattants en ligne ne doivent jamais finir leur tour sur une injection d'un combat ailé. Ça, c'est gratuit. Bourquette a fait un premier. Les ennemis ne doivent jamais agir ou pas des combattants dans l'état insoignable. Ok. Ça, c'est mort. Bon. Bon, il est mort. Donc, je vais juste passer. On a DE, ça c'est quoi? Les ennemis ne doivent être achevés que par des combattants dans l'état insoignable. Ah, c'est chiant, hein. Je vais pas faire spécial, les gars, sinon. Ça c'est spécial, si je dis pas de bêtises. L'état insoignable. Yes, voilà, l'état insoignable. Donc je peux kill le boss. Excellent. Excellent, excellent. Attendez, je vais juste checker qui m'a mis l'état insoignable. Lanceur à tofu maléfique. Donc, je vais pas kill le tofu. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Il est mort. Ça, c'est fait. Non, je dois payer encore 3 PA. Ça, c'est fait. Ça, c'est mort. Je vais passer, les gars. On va pas perdre de temps. Ah merde, j'ai presque oublié la pierre, les gars. Je vais juste lancer la pierre. Capture d'âme. Encore l'état insoignable. Non, merde. Je dois passer. Passer. Passer, passer, passer. Ah merde, il a pris l'état, donc je dois attendre 2 tours encore. Je vais juste. Allez, mets-moi l'état, s'il te plaît. Pardonnez-moi, les gars, c'est juste pour le mec. Pour lui faire full succès. Allez, allez, allez. Passe, 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 passe. Putain, passe. Mets-moi l'état, s'il te plaît. Mets-moi l'état, s'il te plaît.
Bon, je crois, les gars, je vais speed un petit peu la vidéo, sinon ce sera un petit peu long. Donc voilà, je coupe la vidéo et on se retrouve quand je finis le combat. Re, les gars, donc normalement c'est fait. On va juste capture dame. Voilà. Et on est bon pour des succès pour le mec, les gars. Donc voilà, c'est fait pour les succès. Donc il a tout gagné, je crois. Voilà, voilà, les gars, regardez. Ah, j'ai même fait spécial, les gars. Donc pour moi, bon, on s'en fout un petit peu. Voilà, les gars, j'ai capturé le truc. Merci beaucoup. Ok, t'inquiète, pas de problème. Non, prob. Donc voilà, voilà, les gars, pour le boss. Bon, allez, on va checker combien ça coûte en HDV. Normalement, ça coûte 75 000 quand même, un truc comme ça. On peut pas TP à ce map ici, sur cette carte plutôt. Donc voilà. La pierre, comme je disais, les gars, ça coûte à peu près 30 000 kama. Donc voilà, de toute façon, on va checker tout ça, les gars. Tu peux spammer le donjon, les gars, facilement. C'est très très simple à faire. En plus de ça, tu peux t'XP. Bon, au niveau 50, tu peux bien t'XP au donjon. Donc c'est où? C'est hôtel de vente des âmes. Allez, allez, allez. Donc on va commencer par la pierre déjà. La pierre niveau 100. Niveau 100. Voilà, niveau 100, ça coûte combien? Voilà, ça coûte 30 000 kama. Maintenant, on va checker combien ça coûte la pierre. Bourquette. Bourquette, pardon. Bourquette, 75 000 kama, les gars. Putain, vous imaginez. Si tu spammes le donjon des fois, tu auras 750 000 kama. Putain, les gars, 750 000 kama. Bon, si on lève les 300 000, tu vas faire 450 000 kama de B9, les gars. Franchement, très très bon astuce kama. Si tu fais des fois le donjon, les gars, ça va prendre genre, c'était un niveau 50, ça va prendre genre 30 minutes, un truc comme ça, ou bien 4. Ou bien une heure, allez, on va dire une heure même, les gars. Franchement, c'est très très rentable. Une heure, genre t'as des kama à 100% sur toi. Donc franchement, très 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 bon astuce kama pour les gens qui reprennent le jeu, bien qui débutent le jeu. Ou bien si tu es genre t'es BN et vous 50, franchement, tu peux. Je vous conseille de faire cette astuce kama puisque ça part très très bien. Les gens à cette chat, comme je disais, pour le Dofus Ocre, le mec va pas casser la tête pour 75 000 kama. Donc il va acheter directement en HDV. Donc voilà, pardon, les gars. La vidéo d'aujourd'hui, ou bien l'astuce kama d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, les gars. C'est très très important pour le concours de 2 millions de kama à gagner sur le serveur Telesia. Et n'hésitez surtout pas à abonner sur la chaîne pour d'autres astuces kama. Merci, les gars, d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.